والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc notre rencontre se renouvelle encore ce soir pour parler d'un autre bon comportement, toujours en poursuivant notre série sur les bonnes mœurs. Makarim al-akhlaq. Donc les bonnes mœurs et la bonne conduite à tenir pour chaque croyant et croyante. Et ce soir, bidnillahi ta'ala, nous allons évoquer al-ihsan. Nous allons donc parler de l'ihsan, l'excellence. Fama l'ihsan. L'excellence, l'ihsan, ou la bienfaisance, c'est l'opposé de nuire. C'est le fait de faire tout acte de bien. L'excellence est requise dans l'acquittement des obligations. Et elle est également requise dans le renoncement des interdits. Comme elle est requise dans la relation que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala et la relation que nous avons également avec autrui. La personne ne cesse d'être bienfaisante et bonne jusqu'à ce qu'on dise cette personne a excellé. Mais en vérité, il y a une autre définition. Définition plus éloquente, plus claire et plus parfaite. Celle qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très éloquents. Et on n'a pas en vérité besoin de détailler ou de commenter ces propos. Vous savez, vous connaissez tous le hadith de Jibril alayhi salam. Lorsque Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi salam, qui était en assemblée avec les compagnons, et puis a appris, a enseigné aux compagnons l'islam, la foi, et a donné la définition de l'excellence à l'ihsan. Il a dit, lorsqu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi salam, « Famal ihsanu ?» Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu, donc Jibril a questionné, il a dit, qu'est-ce que l'ihsan? Nabi sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, al-ihsanu, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Donc vraiment, c'est ça l'ihsan. C'est le fait d'exceller dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à un point, à un tel point que si... Yani, tu l'adores comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, alors sache, mets-toi en tête que lui, subhanahu wa ta'ala, te voit. Est-ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, parle de l'ihsan? Il nous recommande l'ihsan, bien sûr. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous recommande d'ailleurs la bienfaisance dans le Coran, et ce, dans de nombreux versets. Allah, il dit, subhanahu wa ta'ala, à titre d'exemple, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Ce qui signifie, et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec espoir et crainte. Car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et Allah il dit également subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ya'muru bil'adli wal'ihsani wa ita'i dhil'qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
certes, Allah subhanahu wa ta'ala vous recommande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et vous interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Donc on voit bien ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala recommande la bienfaisance. D'ailleurs, Al-Hassan al-Basri rahimahullah, le grand tabi'i, a dit à propos de ce verset: certes, Allah subhanahu wa ta'ala vous a rassemblé tout le bien dans un seul verset, et il vous a interdit tout le mal dans un seul verset, en parlant de ce verset-là. Car Allah azza wa jalla recommande subhanahu wa ta'ala l'équité en toutes choses, la bienfaisance dans tout. La bienfaisance, elle regroupe tout. Al-Ihsan, il regroupe toutes choses. Toute l'adoration du fils de Adam. Et dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit la turpitude, la perversion, l'acte répréhensible, tout acte répréhensible, et la rébellion. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a rassemblé tout le bien et a rassemblé tout le mal. C'est comme si que Al-Hassan al-Basri nous disait: ce seul verset, il vous suffit. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans Al-Hadith de Shaddad ibn Aws radiallahu anhu: Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit l'excellence sur toute chose. Subhanallah. Na'am. Allah subhanahu inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay aw fi kulli shay. Allah a prescrit la bienfaisance en toute chose, même envers les animaux. Dans ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un d'entre vous aiguise sa lame et soulage sa bête. C'est-à-dire, lorsqu'on doit immoler même la bête, on doit aiguiser la lame et soulager la bête sans la faire souffrir. Subhanallah ta'ala. Même envers les animaux, na'am. Et d'ailleurs, vous connaissez très très bien le hadith également de l'homme qui a été atteint par une soif extrême. Et lorsqu'il est arrivé à un puits, il est descendu pour boire. Et en remontant, il a trouvé un chien qui a été touché également par la soif, qui a été atteint par une soif extrême. Il s'est dit en lui-même, ce chien a été atteint par la soif comme je l'ai été avant d'être abreuvé. Et il est redescendu en mettant de l'eau dans sa chaussure et remonté pour abreuver ce chien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a remercié cet acte-là, il lui a pardonné et l'a introduit dans son paradis. Donc on voit bien, ikhwan, que l'ihsan, il touche tous les aspects de la vie du croyant. Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, dit d'ailleurs: les clés pour l'obtention de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'excellence dans l'adoration du Créateur. La clé pour l'obtention de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'excellence en toutes choses, et surtout dans l'adoration du Créateur subhanahu wa ta'ala, et le fait d'être au service des serviteurs d'Allah azza wa jal. Et l'excellence, elle a plusieurs aspects. On peut trouver l'excellence envers les parents. D'ailleurs, Allah, à ce propos, il dit: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance, la bonté envers ses parents, son père et sa mère. Également, on trouve l'excellence avec le voisin. On trouve l'excellence avec son épouse, avec ses enfants. On trouve l'excellence dans le fait également de demander la science avec les savants de notre communauté. On trouve également l'excellence avec notre comportement envers les pauvres, les nécessiteux. On trouve également l'excellence également même dans le débat, dans l'exhortation. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنْ. Subhanallah. Même dans le débat, dans l'opposition des idées, nous avons également un débat de la plus qui est fait de la plus belle des manières. Et d'ailleurs, quelles sont les conséquences de l'excellence? C'est-à-dire que quel est l'impact de l'excellence dans la vie du croyant et de la croyante? Premièrement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec les bienfaisants. C'est-à-dire que tu as l'amour, ou plutôt tu as l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et son secours, et surtout sa miséricorde.
Dans le verset que nous avons eu précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Certes, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche des bienfaisants. Kadhalik, ceux qui souhaitent le secours et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit avec eux en tout moment, Allah il dit à la fin de la sourate Al-Ankabut: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Le verset donc signifie: et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur le sentier. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est donc en compagnie des bienfaisants. Et dites-moi par Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, qui pourra être contre toi? Donc si Allah subhanahu wa ta'ala est en ta compagnie subhanahu wa ta'ala, tu as donc ni crainte, ni mal, ni dans l'ici-bas, ni dans l'au-delà. Également parmi les conséquences, mes frères et sœurs, c'est que celui qui est bienfaisant, il s'accroche au câble et à l'anse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Luqman: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et celui quiconque soumet son être à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est accroché véritablement à l'anse d'Allah azza wa jal, au chemin droit, à la droiture, au sentier droit et au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi également les conséquences de l'excellence et l'impact que ça a sur le croyant, la croyante, c'est que tu gagnes l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans de nombreux versets, Allah azza wa jal, il dit: Inna Allah yuhibbul muhsinin. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Donc si tu veux qu'Allah azza wa jal t'aime, alors sois parmi les bienfaisants. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder cette qualité qui est l'ihsan, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala embellisse notre comportement et notre être et notre âme avec cette qualité de l'ihsan. Allahumma amin. Et d'ailleurs, ikhwani wa akhawati, mes frères et sœurs, l'adoration de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, doit se faire avec excellence afin d'atteindre l'objectif qu'Allah veut de nous subhanahu wa ta'ala, qui est la piété. Et tous ces bons comportements, toutes ces vertus que nous sommes en train de voir ensemble, nous aident bi'idhnillah ta'ala à atteindre ce degré de perfection, de l'ihsan, le fait d'adorer Allah comme si nous le voyons. Et si nous ne le voyons pas, n'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.